Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phenomenfly et bienvenue pour un nouvel épisode de 0€ sur FIFA 21. Ouh yeah! Alors aujourd'hui les amis, nous allons jouer la Coupe de France, un 8ème de finale, face à Lille. Et j'avais justement, comme je vous l'expliquais dans l'épisode précédent, envie de jouer un petit peu ce match là, voir un petit peu comment Lille a progressé, s'ils se sont améliorés, tout ça tout ça. Alors justement, en parlant de Coupe de France, on va tout de suite aller faire un petit point sur certaines choses. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, je vais mettre juste avant, encore un petit peu, non pas là, faut que je trouve la bonne touche, ça serait sympathique, voilà c'est bon, je l'ai. Donc déjà, comme on peut voir, bah, au premier tour on n'était pas là puisque nous sommes un club de Ligue 1, donc on n'a plus besoin de passer des tours préliminaires. 16ème de finale, là ça nous intéresse un petit peu, nous avons gagné face à Dijon, 1-5, donc assez facilement. Pour ça que je voulais pas montrer, parce que bon, un match à sens unique, c'est pas trop intéressant, on aime bien quand il y a un petit peu de suspense. D'ailleurs, en parlant de suspense, dans l'épisode précédent, on peut dire qu'il y en a eu, et ici, bah, on espère ne pas en plus faire trop peur, mais qu'il y ait quand même un petit peu de spectacle, c'est toujours sympathique. Alors ensuite, bon, je me trouve encore de boutons, génial, ça va aller, ça va aller. Ici, on affronte Lille. Alors, dans les autres affiches, on a Ajaccio qui est encore là, la Saint-Etienne, Toulouse, Clermont, Strasbourg, Dunkerque. On a l'AS Monaco qui s'est qualifié, on a Lens qui s'est qualifié, le PSG et l'Olympique Lyonnais, donc pas de grosse surprise. Et aujourd'hui du coup on va se concentrer à fond sur notre match face à Lille. Et justement, en parlant de autre chose, on va regarder un petit peu le classement du championnat parce qu'il y a des choses à dire. Alors déjà, on va y aller de suite, alors je vais aller plus vite, maintenant je sais qu'il y a un petit raccourci. On va aller là. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, nous avons gagné nos derniers matchs et nous avons maintenant 11 points d'avance sur le PSG. Donc là, c'est très très bien, on a creusé l'écart par rapport à l'épisode précédent, hors caméra. Et ici par contre, on peut voir qu'il y a une certaine tendance qui se dégage derrière. Bah, on voit que le PSG, ça sera à mon avis notre dauphin. Mais après, on a l'AS Monaco, l'OM et Montpellier, voire peut-être on peut même aller jusque Lens, qui se battent pour essayer d'être troisième. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que, après tout, ces clubs-là, ils ont été en grande difficulté dans la vraie vie. Et ici, ça pourrait être intéressant pour ceux qui supportent ces clubs-là. D'ailleurs, je vous fais un gros big up. Tout simplement de voir que leur club peut être en forme sur un jeu vidéo. Bon, c'est un jeu vidéo, c'est pas vraiment la vraie vie, ça n'a pas la même signification. Mais bon, c'est déjà ça, quoi. C'est une petite consolation. Alors, ensuite, on va regarder Europa League. Est-ce qu'on peut déjà voir des résultats? Parce que ça, ça m'intéresse. Alors pour le moment non, pas de résultat, ok très bien. Donc pour le prochain épisode on affrontera le Red Bull Leipzig. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Et après on verra bien contre qui on va tomber. À ce moment là on décidera de ce qui va se passer dans le prochain épisode. Bon les amis, je fais une coupure maintenant. Et je vous retrouve en direct de notre beau stade de Pau pour affronter Lille dans ce 8ème de finale de Coupe de France. A tout de suite les amis. Et voilà les amis, nous sommes en direct du stade de Pau, avec bien évidemment mon meilleur profil, et oui je suis là, meilleur buteur de cette compétition. En même temps il faut dire que cette saison, et même déjà son précédent depuis que je suis arrivé en France, on peut dire que je cartonne, on verra bien ce qui va se passer après, mais pour le moment je cartonne, donc je ne serais pas étonné qu'il y ait de gros clubs qui commencent à s'intéresser à moi. Et bon ça, on n'y est pas encore, on ne s'y intéresse pas pour le moment, on verra bien ce que cette saison nous réserve, et cette nouvelle carrière bien évidemment sur FIFA 21. Enfin c'est la même carrière, mais bon vous voyez ce que je veux dire, ce nouveau mode carrière, voir un petit peu, est-ce que je vais avoir des gros clubs comme j'ai déjà eu le Real Madrid qui s'était présenté quand j'ai gagné la Ligue des Champions avec l'Atalanta. Bon, on ne sait pas encore, c'est pas notre objectif pour le moment. On va se concentrer à fond sur nos matchs ici qu'on a avec Pau, tant qu'on est à Pau. Et puis, en même temps, j'ai bien envie, comme je vous l'ai expliqué, de faire monter cette équipe, voir jouer la Ligue des Champions, voir dans le meilleur des cas la remporter, même si bon, faut pas non plus rêver, mais
ça pourrait être pas mal. Alors par contre, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on teste un nouveau gardien, Erdogan, qui est arrivé pendant le mercato. Donc on va voir un petit peu ce qu'il vaut, mais c'est intéressant. Par contre, autre chose aussi, c'est qu'on a Kat qui est arrivé, Gelmi qui est arrivé. Donc il y a plein de nouveaux qui viennent de débarquer à Pau, donc entre deux épisodes, puisque dans l'épisode précédent, il n'était pas là, mais... comme on était en période de transfert, on dirait bien que Pau a fait le transfert qu'il faut pour se renforcer, pouvoir peut-être prétendre à quelque chose dans cette Europa League. Alors bien évidemment les amis, avant que le match ne commence officiellement, je compte sur vous comme d'habitude pour me balancer un maximum de likes si l'épisode vous plaît, et comme ça, ça me ferait extrêmement plaisir, ça me soutient aussi dans ma passion et ça aide les vidéos à gagner en référencement et à être plus visible. Et puis évidemment, si vous êtes nouveau ou que ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines sorties vidéo, que ce soit gaming, urbex, théorie, court-métrage et autres déconnade. Voilà. Et si vous faites tout ça, un énorme merci. Bon, les amis. Trêve de bavardage. Il est temps de se concentrer sur notre match. On se souhaite bon courage. Lille, on les a déjà battus la saison dernière. En finale, on peut rééditer l'exploit ici. Allez, c'est parti. Pour le moment, on progresse pas mal. En tout cas, on voit qu'il cadenasse déjà pas mal. Donc, il va falloir trouver les bons espaces. Je la fais à Nakai. Qui n'est pas la personne avec qui j'ai le plus d'affinité sur le terrain, puisque j'arrive pas à combiner, parce qu'il est très lent, contrairement à Bussnard qui est plutôt rapide. Et j'espère que ça ne nous portera pas préjudice aujourd'hui, parce que pendant tous les matchs que j'ai fait et que Sakai était avec moi, on les a tous perdus, on a fait match nul. Donc, je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, ni dire que c'est de la faute de Sakai si on a perdu, parce que c'est, encore une fois, une faute collective, mais malgré tout, il y a quand même... des petites coïncidences. Et par contre là, c'est une belle passe de Sakai. Il va peut-être me faire démentir. Le tir, et oui, ouverture du score, 1-0. Golasol sur une passe de Nakai. Bien joué. Ah là, il va peut-être me faire taire. Peut-être qu'il s'est réveillé. Eh bien voilà, 1-0 pour le Pau FC et c'est signé moi-même. Sakai, là, il m'a fait une très belle passe. Ça, c'est pas mal du tout. Il va me faire regretter ce que je venais de dire il y a même pas 3 minutes. Et regardez-moi ça. Cette petite feinte de corps en faisant croire au gardien que j'allais la mettre à droite. Et finalement, non, je la glisse tout droit à gauche. Il s'est bien fait avoir. Oh, et cette pause que j'ai faite. Oh, cette pause, elle est magnifique. Oh, magnifico. Et voilà, ouverture du score. C'est mon 6e but en Coupe de France. Et ça, ça fait plaisir. Allez, on va continuer le travail. Et on va essayer de creuser les cas. Même s'il n'y a plus beaucoup de suspense, ça nous fera une petite place en Coupe de France. Et ça sera un petit peu le beurre sous nos épinards, si je puis dire. Parce que bon, l'objectif principal, c'est de remporter le championnat. Ensuite, l'Europa League, puis la Coupe de France. Donc, vous avez l'ordre un petit peu de nos priorités. Et pour le moment, c'est le championnat qui est vraiment prioritaire. Maintenant, si on peut mettre un autre trophée, ça peut être bon aussi. Ah, par contre, là, Sakai a fait un mauvais choix. Ça va, il va se récupérer. J'ai vu en bas, voilà. Là, il faut attendre un peu de renfort. Attends, maintenant. Parfait. Alors, je vois Sakai. Sakai, n'importe quoi. Nakai, pardon. Ouf. Je confonds tout le temps. Sakai, Nakai. Mais bon. Ça va aller. À force, je vais ne plus commettre l'erreur. Attention à pied. Qui envoie Gutietti. Il reste un petit quart d'heure de jeu. Même pas. On est bientôt dans les 10 dernières minutes. Pour le moment, on tient, mais c'est pas évident du tout. Attention au-dessus, Yadiki, j'entends David, aïe, l'égalisation dans la dernière minute de match. Je m'en doutais que ça allait arriver. On a trop gaspillé devant. Et voilà, un partout, Lille se relance. Ah, ça c'était sûr. C'était sûr et certain. Trop de trous. Là, il y a encore un boulevard en plein milieu. Gudieti voit qu'il y a Yadiki, puis j'entends David, il coupe et voilà. Aïe. Ah ouais, Bury qui est en retard. Bury est en retard sur son homme. Et voilà. Bon, un partout. Il faut tout recommencer. On n'est pas sûr d'être qualifié, hein, les amis. C'est pas encore sûr. J'espère bien ne pas aller en prolongation. Sinon, je crois que mon joueur, il va finir sur deux pattes, à mon avis. Il va finir à genoux. Allez, il reste 10 minutes pour tenter d'aller chercher la victoire. Ça passe au-dessus maintenant. Lance-moi. Parfait. Ah, j'ai personne pour me donner coup de main par contre. Là, je l'ai. Nakai. Ah, et Baptiste qui n'a pas osé y aller. Il aurait dû y aller, quitte à faire une faute. Mais ça aurait peut-être pu passer. Mais non.
Il n'a pas osé y aller, mais bon, je pense qu'avec son physique, il aurait pu y aller. Allez, encore 7 minutes. Le tout, c'est de ne pas encaisser. Si on encaisse, c'est terminé. Attention. Pas mal, ça. Juste ici. Voilà. On la met en bas. Refait. Parfait. Oh, il y a un trou. Je l'ai vu. Vas-y. Hors-jeu. Non, dis pas que c'est pas Cattle qui l'a pris quand même. Donc, attendez. Mais non, il est pas hors-jeu. La preuve, il me semblait bien qu'il était pas hors-jeu. Oh là là, une erreur d'arbitrage. Voilà, ça commence. Une erreur d'arbitrage. Il n'était pas hors-jeu du tout. Gros fait de jeu. Il n'était pas hors-jeu. Il me semblait bien que ce soit l'un ou l'autre qui n'était pas hors-jeu. Il me semblait bien. Ah là là, une erreur d'arbitrage. Nakai. Allez, vas-y, termine. Oh, ça a failli passer. C'était Cattle encore. Allez, corner. Il reste 2 minutes. Ah non, même pas, c'est Gelmi. C'est Gelmi qui a tenté. C'est le numéro 32, Gelmi. Encore un nouveau. Oh, et encore une détente incroyable du gardien. Allez, c'est parti. Par contre, on va tester les techniques. Appel au deuxième poteau, monter le gardien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Monter le gardien. Hein. Allez, c'est parti. On va presser. C'est pas mal. Oh là 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 là, elle passe pas encore. Et c'est encore Gelmi qui essaie de mettre sa tête. Je pensais que ça allait être bon, mais non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Bon, toujours un partout. Ça pue la prolongation. Ça pue, ça pue. Et j'espère qu'on va pas craquer, parce qu'en prolongation, on n'en a jamais disputé. Enfin bon, on va encore essayer d'aller arracher la victoire, mais ça va commencer à être très dur, là. Je suis presque cuit. Et en attaque, ça, à un moment donné, ça va payer, ça. Attention à Bamba, attention à Bamba, attention. Faut pas le laisser avancer. Faut aller dessus, faut aller dessus, faut aller dessus. Bloquer ça, voilà, bien joué. Allez. C'est la dernière occasion, c'est maintenant. Faut me la refaire en bas, voilà, avec ma vitesse, c'est que je peux passer, il reste 30 secondes. 15 secondes. Il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait du monde. Ça passera pas. Ok, c'est à corner. Alors, est-ce que je peux faire monter le gardien? Alors, monter. Allez, c'est parti. C'est pas mal. Ouh, la... Oh, ça a failli passer. Bon, ben les amis, prolongation malheureusement. Ça sera une prolongation. Alors maintenant, le tweet, ça va. Est-ce que c'est des tirs au but ou pas? Si c'est des tirs au but, c'est pas bon du tout. Parce que ça, je sais pas comment ça se passe. Est-ce que c'est tirs au but? Non, c'est une prolongation normale. Ça va, on a encore de la chance. Parce que tirs au but, on n'a pas notre sang entre nos mains. Allez, c'est parti, prolongation. Hein. Plus le choix. Je vais devoir économiser mon joueur. Un maximum. Ah, je la prends. Allez, on y va. Ok, Nakai, tu m'as vu. Ok, ça va, ça passe. C'est tout juste encore. Je sais pas pourquoi il a voulu ralentir. Ok, attends. On fait là, ici. Là, il y a quelque chose à faire. Le décalage. Oui. Oui. Dans les arrêts de jeu. Oui. 2-1. Oui. Incroyable. On va arracher la décision. Allez, il reste encore une mi-temps à tenir, mais là, on passe devant. On va avoir l'avantage psychologique maintenant. On passe devant dans les arrêts de jeu de cette première période de prolongation. On est allé là. Oh, on est allé la chercher. Oh là là, cette image, je pourrais presque la mettre en miniature. Je pense même que je vais faire ça. Magnifique. Allez, 2-1. C'est mon 7e but. Et qu'est-ce qu'il est important celui-là? Mais qu'est-ce qu'il est important? Allez, on tient le bon bout. Ah ben voilà, on siffle la première mi-temps. Et maintenant, on va attaquer la seconde période. En tout cas, les amis, on est bien parti pour aller se qualifier. Mais il ne faut pas encore relâcher. Il nous reste encore un quart d'heure à tenir. Ça peut être très long comme ça peut être très rapide. Allez, let's go. On y va. 1 minute. Une seule petite minute. Allez, faut tenir. Faut pas les laisser avancer par contre. Ça, c'est pas bon. J'aime pas quand ça avance comme ça. Attention, les trous. On a déjà beaucoup, beaucoup trop souffert à cause de ça. Aïe, aïe, aïe. On va aller au tir au but. Je m'en doutais que ça allait arriver. Bon, bah les amis, c'est fait. Nous allons aller au tir au but. Nous, malheureusement, mes coéquipiers n'ont pas tenu en défense. C'est une catastrophe. Je le sentais. Eh bien, voilà. Nous irons au tir au but. La décision est faite.
trop galvaudé d'occasion. Et puis, bah, Erdogan, là, il ne peut rien faire. Hein. Clairement, il y a un gros laxisme au niveau de la défense et ça paye. À un moment donné, bah, Lille, il s'empresse. On va devoir aller chercher notre qualification au tir au but. Aïe, 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 aïe. C'est tout ce que je ne voulais pas, mais je m'en doutais. J'avais un mauvais pressentiment vu comment la défense se plaçait. Et puis, le fait que certains joueurs soient alignés plutôt que d'autres. Et ben voilà. C'est l'heure de la séance des tirs au but. Nous n'avons plus notre sort entre les mains. Maintenant, le coach va devoir désigner les tireurs. Grosse responsabilité. Deux buts partout. Oh là 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 là, je voulais pas en arriver là. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Bon, bah, c'est parti. Et le premier tir. Oh, et ça commence mal. C'est très mal tiré. Allez, Erdogan, arrête là, s'il te plaît. Non. Ça part très mal, les amis. Allez, faut la mettre. Le deuxième est bon. Allez, Erdogan, faut que tu en arrêtes une. Arrête-en une pour nous relancer. Non, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Ça sent pas bon, hein. Je sais même pas si je vais tirer. Aïe, aïe, aïe. Ça y est. C'est fini, je vous le dis. Je vous annonce, c'est terminé. S'il marque, c'est fini. Oui, l'arrêt d'Erdogan. Il nous maintient. Makowski qui va tirer. Il faut qu'il la mette par contre. Ah, c'est très mal tiré. Tout repose sur Erdogan maintenant. S'il l'arrête, on continue. Si on encaisse, bah c'est terminé. Allez Erdogan, faut que tu l'arrêtes. Oui Erdogan, il continue. Il nous maintient dans ce match. Allez, maintenant il faut la mettre. Et c'est moi. Oh là là, j'ai la grosse pression. C'est moi qui ai les espoirs de Pau sur le dos. Je suis obligé de la mettre. Oui, c'est planté. Deux partout. Allez Erdogan, faut que tu l'arrêtes. S'il l'arrête, on continue. Si Lille marque, bah c'est terminé. Allez, faut que tu l'arrêtes. Allez Erdogan, arrête là. Non, c'est fini. Oui, elle a poussé par le poteau. On continue, mort subite. Allez Nakai, mets-la. Oui. Mort subite. Allez Erdogan, arrête là s'il te plaît. Arrête là. Allez Erdogan, on compte sur toi. Tu as les Palois qui sont derrière toi. Allez, arrête-moi ce ballon. Oh, aïe, aïe, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il a réagi, mais trop tard. Il aurait pu largement la voir. Aïe, 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 ça pue maintenant. Aïe, Erdogan, arrête là, s'il te plaît. C'est Renato Sanchez, par contre, qui tire. Ça, c'est mauvais, parce que Renato Sanchez, c'est un bon tireur. Hein. Oui, Erdogan! Erdogan, il tient! Oh là là, jusqu'au bout du suspense, les amis, jusqu'au bout. Daubin qui la plante. Parfait. Allez Erdogan, arrête-la moi s'il te plaît. C'est trop, je peux plus tenir. Allez. Aïe aïe aïe, il passe pas loin et on continue. Karabali qui la plante. Allez. On continue. Oh là, cette séance de tir au but, j'ai l'impression qu'on ne verra jamais la fin. Allez Erdogan, arrête-la s'il te plaît, arrête-la. Ah là là, et on continue, mais c'est pas possible. Allez, allez Bury, plante-la. Aïe aïe aïe. Et tout repose de nouveau sur Erdogan, qui aura fait un gros match, on pourra pas s'en vouloir, et on peut pas lui en vouloir à lui. Allez, c'est pas encore fait. Allez, arrête-la. Oui, Erdogan! Erdogan le héros, c'est pas possible. Ça continue. Allez, bas. Marque là. Oui, bas! Magnifique! Oh là là, ça s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. Et Gudjeti qui a la balle pour Lille. Et Erdogan qui a nos espoirs entre ses gants. Allez, Erdogan, arrête là, s'il te plaît. Oh là là, et ça continue. C'est pas fini. Oh là là, Méliance qui va tenter. Oh là 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 là, c'est pas fini. Cette fois-ci, c'est Bernardo qui va tirer. Allez, Erdogan. C'est difficile, mais arrête là. Oui, Erdogan, encore! Encore un arrêt, c'est incroyable. Oui, c'est planté. Tout juste, mais c'est planté. Oh là là, les amis. 7 buts à 6 en tir au but. Et c'est Ilmaz qui va prendre sa responsabilité. Allez, Erdogan, arrête là. Oh là là, ça continue, c'est pas possible. On va aller jusqu'au gardien et ça continue.
Et c'est transformé. Parfaitement tiré. Faut, ça s'arrête pas. Yaziki maintenant qui va prendre sa chance. Allez Erdogan, arrête-la s'il te plaît. Arrête-la. Je t'en supplie. Oui! Et là, on l'a fait! Erdogan, le sauveur! On est qualifié grâce à lui! Merci, Erdogan! Oh, quel début tonitruant! Magnifique, merci! Kayakan Erdogan, le héros, les amis! Nous sommes qualifiés pour la suite! Oh, ça fait plaisir! Oh là là, l'arrêt! Oh, magnifique! Bien joué! Oh, il nous a maintenus jusqu'au bout! Magnifique, l'arrêt du pied un peu chanceux, mais heureusement qu'il a tendu ses pieds, heureusement. Et donc voilà les amis, on se qualifie pour la suite de la compétition, et franchement on aura été mais jusqu'au bout. Qu'est-ce que ce fut dur, mais qu'est-ce que ce fut dur. Ouf, on est passé pas loin. Bon bah les amis, on se retrouve dans les menus, puis on va voir un petit peu, bah tout simplement, qui sera notre prochain adversaire. Mais en attendant, Erdogan, c'est notre héros, magnifique. Bon les amis, ouf. Après cette séance de tir au but et ce suspense insoutenable, on va enfin pouvoir connaître notre adversaire. Mais en tout cas, franchement, Erdogan, franchement, ça a été notre héros. Kayakan Erdogan. Quel héros. Il nous a sauvés. Oh. Et ce fut long, hein, mais oh là là, qu'est-ce qu'il nous a sauvés. Franchement, les amis, c'était un épisode de feu. Un épisode de feu, franchement, j'en ai tremblé. J'avais plus la décision entre les mains et mes coéquipiers ont fait du bon boulot. Mais qu'est-ce qu'on aura eu peur. Ouf. Bon, allez, on va cesser de se remettre de nos émotions. Alors maintenant, on va analyser un petit peu le tableau de ces huitièmes de finale. Alors comme on peut le voir, bon, Monaco a gagné, Lens a gagné, PSG a gagné, l'OL a gagné, ça on le savait déjà. Nous, nous avons gagné au tir au but, 8 buts à 7, quand même. C'était pas évident, on a failli aller jusqu'à ce que les gardiens tirent. Ensuite, nous avons Saint-Etienne qui s'est qualifié face à Ajaccio, Toulouse qui s'est qualifié face à Clermont et Dunkerque qui s'est fait éliminer par Strasbourg. Maintenant pour les quarts de finale, nous allons... Ok, d'accord, ok, quart de finale, bah on retrouve le PSG, encore et toujours eux, incroyable. Dès les quarts de finale, on rencontre le PSG, on aura déjà eu dur ici, mais là, on rencontre déjà le PSG. Ça sera encore un match sous haute tension, ça c'est sûr et certain. Eh bah dis donc, ça promet déjà. Bon eh bah, les amis, on va aller voir au calendrier, on va se laisser là-dessus, mais avant, pour le prochain épisode... Je vous annonce, nous jouerons les matchs d'Europa League face au Red Bull Leipzig, en espérant ne pas aller aux prolongations cette fois. Ça serait sympa, parce que bon, ici, je vous dis, j'ai failli avoir une crise cardiaque quand même. Et après, on affrontera le PSG, directement. Et on enchaînera après avec Saint-Etienne, l'Olympique de Marseille de nouveau, Montpellier. Ouais, ça peut être un beau programme. On va faire ça. Donc voilà, les amis, un petit peu ce qui nous attend pour la suite. Bon, et ben on va se laisser là-dessus. En tout cas, j'espère que cet épisode, ô combien incroyable et sous un très grand suspense, vous a plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas, je compte sur vous pour me balancer un maximum de likes. Et puis, en même temps, je pense que notre gardien, Kayakan Erdogan, il mérite beaucoup de likes. Donc, je compte sur vous pour la bombarder un maximum, cette barre de pouces bleus. Alors, ensuite, bien évidemment, si vous êtes nouveau, que ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner, pour me soutenir. Comme ça, vous me donnez de la force et puis, c'est toujours bien motivant. Et puis, comme ça, vous pouvez pas louper les prochaines sorties vidéo, que ce soit gaming, urbex, story, court-métrage et autres déconnades. Et si vous faites tout ça, un énorme merci. Et sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de nos aventures, quel que soit le type de contenu. Ciao, ciao! Oh, yeah! Fearless!